Nous allons travailler la lecture. Prenez vos livres. Ouvrez-les sur la page 91. 9 et après 1. Très bien. Posez le doigt sur le chiffre 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les lettres et les syllabes. Alors, vous lisez L, script, T, cursive, A, script, L, majuscule, script, M, script, S, cursive, T, script, O, script, L, cursive, A, majuscule, script, U, script, O, cursive. Il, E, se lit le. Il, I, se lit li. L, O, se lit l'O. L, U, se lit lu. Alors, regardez ici, il y a trois mots. Qu'est-ce qu'on va faire? On va découper les mots en syllabes. Prenez le rouge, hein? Prenez le crayon rouge. Alors, travaillez ma, la, de. Lama, il y a deux syllabes. La, ma, fil, seulement une syllabe. Alors, écoutez la maîtresse. Lama est contente. Les tulipes sont belles. Sur le fil, les oiseaux pépient. Alors, vous lisez avec moi. Lama est contente. Les tulipes sont belles. Sur le fil, les oiseaux pépient. Toujours, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper les mots en syllabes. Prenez le crayon vert et le crayon rouge. Alors, on va chercher les mots outils. Et, les, sans, sur, le, les. Très bien. Et après, le crayon rouge. La, ma. Regardez, il y a deux syllabes. La, ma. Quand, ton, te. Il y a trois. Tu, li, pe. Tu, li, pe. Il y a trois. Be, le. Il y a deux. File. Seulement une syllabe. Oiseau. Il y a deux. Un, deux. Pe, pi. Il y a deux. Très bien. Alors, c'est qui la ma? La ma est une fille. Comment il est? Il est contente. Les tulipes. Qu'est-ce que ça veut dire, les tulipes? C'est-à-dire les fleurs. Hein? Les fleurs sont belles. Sur le fil, les oiseaux pépient. Qu'est-ce que ça veut dire, pépient? C'est-à-dire chante. Hein? C'est-à-dire chante. Pour expliquer, regardez, il y a trois. Il y a trois exemples. Ah, il y a trois exemples. Alors, exemple 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer les lettres L, script majuscule, L, cursive, L, script. Alors, on va chercher la lettre L. Voilà. La lettre L. La lettre L. La lettre L. La lettre L. Deuxième exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer les syllabes identiques à chaque modèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire identique? C'est-à-dire semblable. Alors, l'eau, on va chercher l'eau. Alors, li, non. La, non. L'eau, oui. Lui, non. L'eau, oui. L'eau, oui. Pour la syllabe li. Alors, l'eau, non. Li, oui. L'un, non. Li, oui. Li, oui. La, non. Alors, on va chercher le. Alors, on va entourer les. Non. On va entourer loi. Non. On va entourer lui. Non. Alors, on va seulement le. Le, le, le. Troisième exemple. Ce qu'on va faire, on va former un mot avec ce qui est écrit dans chaque sac. Alors, il y a trois sacs ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va composer un mot. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit « co »,« dil »,« cro » ou bien « dil »,« co », »,« cro » ou bien « cro », »,« co », »,« dil ». Alors, qu'est-ce qu'on dit? On va écrire « cro », hein, « cro ».
Dis-le. Un crocodile. Très bien, c'est un animal. Deuxième sac, regardez. On dit pain là ou bien la pain. On dit un la pain. Troisième. Va beau là. Le beau va là ou bien la va beau. On dit un la va beau. Très bien. Alors, au revoir les enfants et Ramadan Mubarak Saïd.